Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche et que vous avez passé un bon week-end. Alors c'est reparti, on réattaque une semaine de live. Oui, on est bien lundi, je suis pas très... Alors du coup, aujourd'hui, on reçoit Julien Rico, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va, on t'a vu il n'y a pas très longtemps, mais on est content de te revoir. Du coup, je reviens. Voilà, ça s'est bien passé, donc je reviens. Nickel. Bah c'est ça, généralement c'est plutôt comme ça que ça se passe, hein. Je suis très content d'être là. Merci en tout cas. Bah écoute, j'ai hâte, c'est hyper cool. Du coup, bah, la tournée des bonjours sur le chat, sur YouTube, bonjour à Thierry et à François. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté Behance. Pour ceux qui sont sur YouTube, on a Alexandre qui va vous partager le lien. Et puis sur Behance, bah, je ne sais pas parce que j'ai mon Behance qui vient de planter, mais il va revenir. Alors, il est où le chat Behance? Il veut le Ah bah backup. je sais pas, je vois le live, mais il n'y a pas de chat. Bon, je vous ferai des bisous dans 3 minutes quand ça sera revenu. Voilà, ce sera très rare pour tout le monde. Eh bien, écoute, Julien, comment on attaque? Parce que du coup, tu es venu nous voir il n'y a pas très longtemps. On va Ouais. repartager ta précédente session. Est-ce que tu nous fais un petit rappel de qui tu es, ce que tu fais et ce que tu nous as prévu pour aujourd'hui? Je vais faire un petit récap, même s'il y en a qui m'ont peut-être déjà vu. Donc, je m'appelle Julien Rico, on me connaît sous le nom de Rico Junior. Je suis graphiste, designer et spécialisé dans les affiches de films. Ça fait bientôt 8 ans que je fais ça, en tout cas de manière amateur, et ça fait 5 ans que je suis à mon compte et que je travaille à plein temps en tant que freelance. Moi, je travaille pour beaucoup, beaucoup de boîtes et de studios, mais totalement différents, que ça aille de petits studios ou à des gros studios américains. Que ce soit des maisons d'édition comme Hachette, par exemple, ou les éditions Milan. Je peux aussi travailler pour des particuliers, je travaille aussi parfois pour des galeries d'art. Donc j'essaie vraiment de me diversifier au maximum. Et si je pouvais décrire en tout cas ce que je fais, je travaille surtout un aspect minimaliste, en tout cas. De manière générale, c'est ce qu'on me dit, c'est que mon travail se porte plutôt sur tout ce qui est conceptuel et tout ce qui est minimaliste. Et j'essaie vraiment d'avoir un regard, on va dire, un peu différent sur ce qui se fait d'habitude sur le cinéma. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et du coup, j'espère être dans la bonne direction pour pouvoir apporter des choses nouvelles au cinéma que j'adore et à la pop culture de manière générale. Bah écoute, c'est vachement bien expliqué. Et ben, merci. Bravo. Pour l'indice, c'est pas Non, mal. franchement, c'est cool, pas mal. Et j'ai retrouvé mon chat, donc je peux Voilà. venir vous dire bonjour de ce côté-là. Du coup, bonjour à Delphine, Virginie, toujours au taquet, hein. Ah, Clémentine, contente de reprendre les lives. Et bah nous aussi, on est contente de te revoir. On est contente, voilà. Franck, bonjour à Franck, Diatou, Rémi, Alexandre, Héloïse, Niki, Sketchup Mayo. Donc tous les habitués sont là, ça fait trop plaisir que tout le monde est un peu rentré de vacances, j'ai l'impression, c'est le retour aujourd'hui. Et bah écoute, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le live, on est là pour ça. Et puis, bah, c'est à toi. Qu'est-ce que tu nous as préparé du coup pour aujourd'hui, comme on avait déjà vu ton travail il n'y a pas si longtemps. Mais Ouais. alors toi, on t'a laissé tranquille 3 jours et t'as déjà 8 nouveaux projets sur ton to-do list. Ouais, du coup, fallait me rappeler encore avant, j'en avais un peu moins, mais du coup, Voilà. j'en ai de plus en plus. Ouais, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'essaye toujours d'avoir des projets aussi perso, c'est-à-dire c'est pas forcément des projets pour lesquels je suis commissionné, pour lesquels on me demande, mais en tout cas, j'aspire vraiment à faire de plus en plus de travaux officiels pour tout ce qui est, comme je disais, qui est lié à la pop culture, que ce soit les Marvel, les Disney. Même le cinéma de manière générale. Et ça m'arrive d'avoir des commandes. Je te dis, j'avais travaillé pour Warner Bros. France il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais travaillé pour la Paramount. J'avais travaillé sur des petits studios. Si je le trouve, je vais vous le montrer. Ça, c'était un des travaux que j'avais fait pour Warner Bros. France. J'avais déjà montré la dernière fois. Voilà. Donc, j'essaye Ouais. d'avoir des. J'ai des travaux officiels et des travaux, on va dire, hommages que moi, je fais justement pour montrer au public et aux studios et aux annonceurs que. Voilà, je suis là et je peux essayer d'apporter quelque chose de différent. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire depuis 8 ans maintenant, de manière amateur Carrément. et depuis un peu moins. Mais et toujours pareil, tu vois, là, il y a la série Marvel qui est sortie il n'y a pas si longtemps qui s'appelle What If, qui est une série animée. Et pendant les vacances, parce que même quand je suis en vacances, je pense un peu au travail, tout ça, et ben, j'ai fait des petits croquis, tu vois, que j'ai juste là. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais même sur une feuille de course où je dessine un petit peu, tu vois, parce que. Que je vais montrer après, c'est un peu les étapes justement du dessin jusqu'à arriver à un visuel complet, on va dire, et vraiment les étapes globales, en essayant de rentrer un petit peu dedans et montrer moi la manière de voir les choses. Mais voilà, là c'est une dernière affiche que j'ai faite voilà, par plaisir et pour montrer justement au studio ce que ça pourrait donner.
Et j'ai eu des jolies réponses dessus et je ne peux pas trop en dire, mais peut-être que ça va amener un truc sympa. Donc j'espère que. Voilà, Ah, c'est cool, c'est c'est trop aussi bien. ça un peu le message derrière aussi, c'est que quand on aime et qu'on fait ce qui nous plaît, justement, pas en faisant des choses dans l'attente, bah, j'espère qu'il y a des résultats. Et moi, ça me fait des super exercices aussi dans des périodes, des fois où il y a un peu moins de boulot, ou voilà, ou même s'il y en a, j'essaie toujours de me dire quel support tu aimes, qu'est-ce que tu vas trouver de bien dans l'actualité qui peut t'aider à continuer de créer, à continuer d'innover, à toujours chercher des nouvelles idées. Et je trouve que le support, tout ce qui est pop culture, moi, ça m'inspire. Et j'essaie de garder un style qui est le mien, c'est-à-dire minimaliste, avec des concepts et des choses assez fortes, on va dire, plutôt que d'avoir des patchs de personnages et tout ça. Donc voilà, là, c'est les derniers travaux que j'ai faits. Là, ce travail-là, c'était pour un. C'est un producteur qui m'a envoyé un message pour justement. Produire une prochaine série télé, mais sans acteur, sans personnage, il n'y avait rien de fait en fait. C'est juste pour donner envie justement aux producteurs et à tout ça. C'est vrai que c'est un peu notre boulot à nous Ouais, aussi. ok. C'est vraiment donner envie avant tout projet, on va dire fictif, de donner envie, ouais, carrément, et de projeter un peu l'image que ça pourrait être. Donc là, je suis parti de zéro. J'avais ni acteur, ni costume, ni photo, ni rien. Et on m'a dit, Ah vas-y. ouais, il faut finir un peu l'histoire quand même. En fait, souvent, après, avec les clients avec lesquels je travaille, c'est souvent basé sur un comics qui est déjà existant. Donc, on D'accord. montre un petit peu l'univers et tout ça. Mais c'est vrai que le but, c'est un peu de prendre les gros morceaux de l'histoire et d'essayer de s'en démarquer avec un nouveau style ou avec une nouvelle approche. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Et pareil, le but, c'est vraiment de montrer au studio, regardez, on a des idées, on peut faire des choses et ça peut vous intéresser aussi. Et pareil, il me semble que, je ne peux pas trop en dire, mais le fait de la mettre sur les réseaux et de montrer, ça a attiré des gens, des producteurs pour peut-être le faire. Le but aussi à chaque fois, et moi je suis content, c'est-à-dire que le visuel a parlé et a fait en sorte que le script qui est derrière parle et se fasse entendre, quoi, et se fasse voir. Donc ça, c'est toujours gratifiant pour mon travail à moi, en tout cas. C'est hyper puissant ce que tu nous racontes en fait. Ça remet vraiment le rôle des designers à leur place et en fait c'est hyper important comme métier. Tu vois, ça permet au projet d'exister après quoi. C'est ça, ouais. C'est vrai que nous, on a un travail d'image, mais c'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette image, justement, on en fait juste pour une image et juste pour que ce soit beau, alors qu'au Ouais, juste pour final, que ce soit joli. c'est ça. Alors que parfois, ça va forcément faire, c'est plus vendeur, en quelque part, d'avoir un visuel quand on va présenter un script où c'est que des mots sur une feuille. Et tout de suite, la personne qui va produire ou qui va réaliser, comme tout ce qui est concept art, ce qu'on peut voir aussi, ou tout ce qui est animation 3D, tout ça, bah, ça donne tout de suite une autre dimension au scénario, à l'histoire. Et c'est vrai que visuellement, on en a tous besoin pour réussir à donner envie. C'est carrément le but. Et moi, dans mon travail, c'est ce que je veux faire. C'est juste donner un petit sourire ou un petit kiff. Ah, c'est cool, tu vois, c'est sympa, ça change, c'est différent. Plutôt que d'avoir toutes les affiches, comme je disais la dernière fois. Un peu tout édulcoré qu'on voit tous les jours et qu'on s'arrête même plus devant en voiture ou devant les cinémas parce que c'est toutes les mêmes. Moi, j'avoue que j'aspire vraiment à avoir une approche différente, colorée, pop, grand public. Je disais aussi la dernière fois, moi j'aime ça. Qu'on va voir tout à l'heure, tu vois, même dans le côté technique et dans ce que je disais, moi je travaille juste avec ma souris, enfin, j'ai pas de tablette graphique, j'ai juste mon petit ordinateur et tout. Ben voilà, c'est ce qu'on disait, c'est une vraie approche de. C'est accessible à tous, mais c'est aussi quelque chose de différent. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est ce que j'aime aussi, c'est ce côté différent, individuel, mais en même temps, venez, c'est cool, quoi, ça change. Écoute, tu parles si bien. Je comprends pourquoi on t'a re-rappelé. Il y a Ça se voit tellement pas la que j'ai tout préparé et passion tout dans le écrit. corps et tout, c'est trop cool. Moi, J'ai tous les je textes. regarde comme les gens chez eux. Tu vois, je suis là, ah, ouais, c'est cool, ok, carrément. Ça me donne envie de faire la même chose. C'est trop bien. Et tu C'est vois, par hyper exemple, communicatif, en fait, ta passion, c'est trop cool. bah, merci, c'est gentil. Je te dis, j'essaye de le faire de manière non verbale à travers mon travail parce que j'ai pas ma petite tête à chaque fois en bas de l'affiche. Alors, je vais vous expliquer ce que j'essaie de vous poser ça. Non, j'essaie justement, tu as raison, c'est carrément ça, c'est que ça parle de soi en fait. C'est que le visuel parle de lui-même et d'un autre côté qu'on s'y attarde en fait. C'est ça, je te dis, moi, ce qui me chiffonne, mais ce que je retrouve pas et ce que je retrouve par contre chez des artistes indépendants, c'est que vraiment il y a une patte et il y a une envie de raconter quelque chose et d'avoir quelque chose de différent au-delà des affiches de films. Parce que voilà, je parle de ça parce que c'est vraiment là-dedans où je me plais. Mais comme je disais, je fais beaucoup de support, je fais des couvertures de romans, je fais des affiches pour des flyers par exemple aux entreprises et tout ça. Mais c'est la même chose pour moi en fait. Tu vois, tout ça qu'on dit.
par exemple des couvertures de romans. Bah, pareil, tu as souvent un gros titre avec la photo de l'auteur, par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu en as beaucoup comme ça, où tu as juste le gros titre et tout ça. Et moi, c'est vrai que quand je suis approché, je te dis, pour les éditions Hachette, par exemple, j'ai été approché pour faire des couvertures de livres. Tout de suite, je leur dis, moi, par contre, je vais essayer d'avoir un truc un peu conceptuel ou avoir des contreformes ou avoir un message différent. Moi, c'est ce que j'ai, tu vois, là, par exemple. J'avais fait ça parce que, pareil, quand il y a un film, j'avais fait cette affiche-là pour Suicide Squad, qui est le dernier film de DC Comics. Et je travaille parfois avec DC Comics France, donc avec leur pôle France. Et voilà, là, j'avais envie de leur proposer ça parce que je trouvais ça intéressant. Et tu vois, on voit un petit peu la contreforme du bas de l'étoile avec les différents personnages. Moi, j'aime bien travailler le côté couleur et le côté forme. Moi, je trouve que deux formes qui s'assemblent ou qui se différencient, eh ben, ça amène un message. Et ce côté, on s'arrête sur l'image, marche mieux, forcément, que si on donne tout à manger tout de suite et regarder c'est tel ou tel personnage. Avec des couleurs, comme je disais, moi, j'aime bien avoir des couleurs quand même assez pop, qui, voilà, qui attirent l'œil, parce que je considère que, justement, dans pop culture, il y a pop et il y a un truc de des good vibes, c'est faut regarder, c'est sympa, tu vois. Donc voilà, même pour Kaamelott, tu vois, j'avais fait un truc qui est sorti il y a pas longtemps. Bah, moi, ce que je retiens vraiment de toi, c'est que en fait, t'es pas à attendre la démarche d'un client. Tu vois, tu parlais des couvertures de livres, mais en fait, si un client vient te voir et que t'as pas un style hyper affirmé, bah du coup, ça va être compliqué de lui proposer autre chose que la photo, le titre, le machin. En fait, toi, tu fais les projets avant qu'on te les demande, et comme ça, comme ça, ils viennent te voir pour ce que tu montres. Et je trouve que c'est une hyper bonne leçon de Ouais, création, quoi. mais parce que de un, parce que j'aime ça, et que du coup, je le vois comme en fait, je le vois comme un exercice et comme quelque chose que je vais pouvoir ajouter à mon portfolio. Et quand justement des clients vont venir me voir, je vais pouvoir leur montrer une palette assez large, et au final qui est assez réduite parce que c'est ma patte et que ça va forcément que dans une direction, ou deux ou trois. Mais donc, c'est vrai que de ce côté-là, moi, j'attends pas, mais parce que. Je me dis qu'encore plus quand tu es à ton compte, tu ne peux pas te permettre d'attendre qu'on vienne te chercher. Même si j'ai la chance du coup que grâce au fait que j'attende pas qu'on vienne me chercher, on vient me chercher. Est-ce que c'est logique, tu vois? Ouais, c'est non, mais c'est hyper rigolo, quoi, c'est hyper cool. Mais c'est un peu ça, c'est que j'attends pas, mais du coup, bah, on vient me chercher. Donc c'est super. Ça, en fait, la balle se renvoie un peu naturellement, en fait. Et c'est pour ça que je sais que le conseil des fois que je donne, c'est faut garder ce truc de même si j'ai des clients à côté, même si j'ai du travail. Moi, je me dis tous les jours, au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, si je n'ai pas le temps, de faire un produit ou une affiche, une production qui soit pas forcément en lien avec l'actualité, c'est mieux, mais avec quelque chose qui, moi, me fait envie et que j'aime. Et là, c'était Kaamelott parce que je trouvais ça super intéressant et que j'avais envie de faire quelque chose pour montrer. Tu vois, Alexandre Assier l'a vu, il m'a ajouté et tout, on a discuté vite fait. Et tu vois, c'est pareil, ça permet justement d'avoir des liens avec les gens. Là, j'avais fait une affiche pour Dune. Ça, c'est avec Warner Bros. France, du coup, que j'ai fait, qui sort bientôt. Le nouveau film de. Tu vois, donc là, par exemple, on voit l'espèce de. Il y a une espèce de Ah ouais. verre dans le film. Ouais. En fait, la contreforme de la dune, c'est cette espèce de petit. Enfin, de gros, du coup, verre Le qu'il y gros a dans le. asticot des C'est sables. ça, exactement. Donc, tu vois, il y a toujours ce truc-là d'avoir. Une deuxième lecture ou quelque chose où on peut aller vraiment un petit peu picorer les détails dans l'affiche. Et pareil, du coup, ça a été vu pas mal et normalement, ça il y a peut-être un projet qui va aboutir avec ça. Donc en fait, tu vois, à OK. chaque fois, je le fais de manière hommage et du coup gratuite, mais à chaque fois derrière, ou souvent, ou parfois, ça apporte quelque chose de professionnel, entre guillemets. Donc Ouais, c'est vraiment le c'est conseil à hyper donner, quoi. malin, ouais. Ouais, c'est vraiment de ne pas attendre et de se montrer, quoi. Mais dans le bon sens, pas se montrer juste pour faire. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu la limite parfois où les gens. Et puis en même temps, tu te mets à la place d'un réalisateur, enfin, tu vois, de Alexandre Astier, enfin, tu vois un produit comme ça qui a été fait par un mec que tu connais pas pour rien. Tu dis, mais c'est un truc de fou, c'est trop cool, tu vois, c'est hyper. Bah, Eux, c'est là ça leur aussi fait vachement où. plaisir aussi, donc. C'est vrai que j'essaie de montrer aussi un peu quelque part ma bonne foi, tu vois, quand je fais ça. J'ai envie de leur montrer que c'est vraiment. C'est pas juste par. En mode mouton parce que ça vient de sortir et que ça suit, mais je suis un vrai fan, j'adore ça, j'aspire vraiment à travailler pour ce genre de choses et c'est déjà le cas, mais encore plus. Et de montrer ça, voilà. Moi, évidemment, ce que j'espère à la fin, c'est qu'on me propose un vrai projet et que je puisse être là à fond et à le faire pour de vrai, tu vois. Là, pour Kaamelott, c'était comme ça. S'il l'a vu et que ça lui plaît, voilà, j'idéalise le fait que peut-être pour le 2, s'il y a un 2, il me demandera de faire une affiche à côté. Tu vois, Clairement. je me projette un petit peu avec ça à chaque fois, mais.
Mais c'est mon but ultime. Je ne le fais pas que de manière gratuite, je le fais évidemment pour qu'on pose des choses derrière. En fait, ça plante plein de graines C'est exactement ça. un peu partout, quoi. C'est ça. Dans un domaine quand même assez, entre guillemets, réduit, je te dis qu'il y a la pop culture, qu'il y a même la culture de manière générale. Pas forcément la musique, même si j'aime ça, tu vois, mais c'est moins quelque chose qui me parle ou avec lequel j'ai des vraies connaissances, tu vois, ou une culture générale qui est développée là-dessus, sur tous ces thèmes-là. Je sais que je peux apporter vraiment, j'espère, apporter quelque chose de différent, quoi. Donc j'ai des projets pro là-dessus. Là, j'ai travaillé pour EA, tu sais, tout ce qui est jeux vidéo. J'ai travaillé pour un prochain jeu vidéo qui va sortir qui s'appelle Lost in Random. C'est un petit jeu indépendant, mais que eux produisent aussi, en fait. Maintenant, ils ont une chaîne où ils produisent des jeux indépendants plutôt que de produire que des FIFA et des NBA. Et voilà, tu vois, c'est des supports aussi de jeux vidéo bah, que j'aime, pour lequel des fois j'ai un peu moins de temps de faire, mais du coup, bah, voilà, ils ont vu ce que je faisais et puis mon projet est un vrai projet. Enfin, mon but ultime, c'est que j'ai un super film qui sort bientôt, on veut faire un truc, et je dis oui, avec plaisir, j'arrive. Écoute, c'est noté, hein. Franchement, vendu, carrément. Moi, j'apprends plein de trucs quand tu parles et c'est cool. J'aime bien apprendre des trucs. Ah, alors on a Arnold qui dit Super Rico, j'aime ce que tu fais avec Illustrator. Est-ce que c'est. On passerait pas Ouais, je vais vous montrer un petit peu sur du coup les différentes justement étapes. le programme du jour. Moi, donc déjà, toujours la base de ce que je fais, peu importe, comme tu as vu, même si c'est en vacances et que j'ai qu'un post-it, je vais toujours commencer par dessiner. Voilà, c'est vraiment même les gens qui savent plus ou moins dessiner, c'est vrai que j'entends souvent, moi je dessine pas trop bien ou je sais pas trop faire. Même un gribouillis, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était pas foufou. Mais ça m'aide, moi, en tout cas, à me projeter et après à chercher des images références, comme je vais montrer, etc. Là, je vais reprendre un projet que j'avais fait là aussi de manière indépendante pour moi, pour mon compte, qui va peut-être aboutir à quelque chose de professionnel et d'officiel, je l'espère. C'est le triptyque de Thor que j'avais déjà montré la dernière fois. Ouais, qui Trois était affiches divisées super en. canon. Enfin, une affiche, pardon, divisée en trois avec un ensemble qui se répond, etc., avec une vraie connexion, du coup, pour vraiment se projeter. Donc la dernière fois, j'avais montré ce genre de dessin que je fais moi à la main avant pour vraiment capter les ombres et les lumières. Ce que je disais aussi, c'est que vraiment pour tout ce qui est illustration, que ce soit de l'aplat, que ce soit du minimalisme, ou alors même des dessins et des illustrations très travaillées, que ce soit sur Photoshop et tout ça, la lumière est super importante. Et autant quand on fait de la 3D, ça l'est encore plus, évidemment, mais même dans de la place, c'est super important de retrouver. Et moi, j'aime avoir cet aspect un petit peu, comme on disait l'autre fois, un petit peu estampe pour vraiment avoir des contrastes très forts. Et ensuite, quand je vais ajouter la couleur, que ce soit du plus, en fait, que ce soit vraiment un truc en plus. Et le fait d'avoir des contrastes très prononcés permet d'avoir des formes, là aussi très fortes, où on puisse intégrer justement d'autres formes, comme je disais, quand je fais des contreformes et tout ça. Ok. Du En coup, fait, ton but, c'est sur ton dessin de base, il faut qu'il marche en noir-blanc, c'est quasiment, ça? quasiment. En tout cas, Ok. le gros, il faut que ça marche en noir et blanc. Et après, tout ce qui va être détail et tout ça, j'essaie de Ouais. l'ajouter. Encore une fois, je vais toujours quand même adapter le style, en tout cas, que je vais mettre avec ce que raconte quand même le média de base. C'est-à-dire que, tu vois, tout à l'heure, comme je disais, pour Kaamelott, on a quelque chose d'assez quand même un petit peu plus sombre, un petit peu plus vert, comme ça, dans des tons un peu plus réalistes. Alors que pour le film Suicide Squad que j'ai montré, qui était beaucoup plus punchy, un peu plus décalé. Bon, bah, c'était beaucoup plus, tu vois, orange, tout ça, pour vraiment avoir ce côté éclatant. Donc, j'adapte quand même un petit peu. Mais ma manière de voir les choses, c'est toujours la même. C'est dessiner, trouver un concept fort, une contreforme sympa, un visuel fort par rapport aux bandes annonces, par rapport au truc. Passer sur Illustrator et finir rapidement pour faire un autre truc. C'est pas mal aussi. C'est cool que ça fasse partie du process, tu vois. Et tu vois, donc là, par exemple, moi, après ce que je fais, donc je le rentre sur Illustrator. Mon dessin gagné, quand je peux. Et après, à la plume. Et après, à Alors la tiens, il y plume. a Camille qui nous dit, il n'a pas dit qu'il faisait tout à la souris tout à l'heure. Je suis arrivée un peu en retard. C'est ça. Après, en tout cas, avoir fait à la main, en tout cas sur papier, la finalisation va être que à la souris et sur Illustrator. Moi, je ne me sers quasiment pas des autres logiciels. Ça peut m'arriver de me servir de Photoshop justement parfois pour contraster certaines images, pour vraiment bien me focus sur les lumières et tout ça. Mais j'essaie de plus en plus de le faire à l'œil parce que ça me permet là aussi moi, de le travailler, le regard sur la lumière et tout ça, plutôt que qu'on mange un peu le travail avant et que Photoshop me dise, bon, bah là c'est très foncé et là c'est très clair. Donc j'essaie de manière générale de le faire à la main ou de le faire de visu
Et quand vraiment c'est des visuels déjà de base où j'ai une idée et je trouve pas ce que je veux, là j'essaye de faire à la main. Et tu vois, après, c'est comme quand on fait un logo ou quoi que ce soit, c'est du pur tracé, quoi, avec vraiment la plume. Et je vais la reprendre. Là, je vais le refaire rapidement, mais tu vois, j'essaye de vraiment capter les différents noirs que j'ai, avec les différents arrondis et tout ça. Mais C'est fou, c'est magique, hein. justement, le dessin, moi, de base, me permet d'avoir une vraie base pour le coup, et de ne pas avoir à réfléchir où est-ce que je le mets, où est-ce que l'ombre se pose, etc. Ouais, c'est la partie pour reposer un peu le cerveau, là. Ouais, bah là après, clairement, c'est que le cerveau il chauffe juste pour trouver le concept au début. Ouais. Là, il chauffe bien parce qu'on se dit qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on a déjà vu. Ça fait aussi partie du taf pour le coup, de savoir. Ce qu'on a déjà vu ou pas, tu vois. Et tu vois, après, je te dis, ça va être vraiment comme du logo ou de la représentation. Moi, je vais reprendre là, après, je vais prendre le blanc. Je le fais vraiment à la va-vite, mais c'est vraiment pour montrer à peu près les différentes techniques et les différentes zones, comment on va les. Bon, maintenant, je vais vite et c'est à la souris. Avant, j'allais à deux à l'heure et parce que Ouais, perdais. tu respectes quand même vraiment ton dessin de base. Ouais, et puis après, tu vas voir, Tous les j'essaie. petits détails et tout, tu les zappes pas forcément, quoi. Les trucs un peu imparfaits, en fait, tu les gardes. Ouais, j'essaie d'en garder un maximum. Et tu vois, plutôt que de vectoriser, ça pourrait être le cas. Tu vois, par exemple, je prendrais mon image déjà comme ça et je la vectoriserais. Tu Ouais. vois, j'aurais déjà un rendu, sauf que moi, le rendu que je veux avoir, je veux vraiment avoir un rendu là qui soit un peu plus, j'allais dire minimaliste, qui fasse moins fait main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Forcément, le dessin que j'ai fait à la main, on va ressentir ce truc-là. J'ai quand même envie, dans le résultat final, qu'il y ait ce côté. Y a un truc un peu anguleux, en fait, dans Ouais, tes... c'est ça, exactement. C'est ça. Il y a un peu ce côté symétrique, un petit peu quelque chose d'assez droit, d'assez carré, alors que des fois, ça part dans tous les sens. Mais ce côté brush, un peu fait main, me parle un peu moins, parfois, en tout cas en rendu final, que ce que moi, je cherche, j'aspire à faire, en tout cas. Donc, tu Ouais, mais vois, et après. si, tu vois, je trouve ça vachement plus fin ton truc à toi que le truc vectorisé automatique, en fait, comme il y a des angles, des choses. C'est ça, et puis moi, c'est le. Après, comme ça, moi, je peux jouer vraiment avec. Tu vois, là, si par exemple, après, je prends la photo référence, mais ça ne me plaît pas tant que ça, bon, bah, je repasse dessus, et puis ça, je peux le remettre un peu plus comme ça. Enfin, tu vois, après, je peux rebouger. Si ça ne me va pas, bon, je l'enlève, et je le Carrément. retravaille, etc. Mais je te dis, dans la manière de faire, c'est vraiment la manière d'un logo, ou même la manière, de manière générale, d'avoir son dessin et de le retravailler physiquement après, et tu vois, après, en résultat. On a des trucs avec des images références et tout ça, tu vois. Après, on a ce résultat. Oui, j'allais te demander, est-ce que du coup tu prends des références pour avoir la bonne tronche de Ouais, l'acteur? ouais. Tu vois, ça, je m'en sers au début, par exemple. Je vais prendre. Tu vois, par rapport le rendu que j'ai là et le rendu qui est là, là, on a un rendu beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche de l'acteur parce que j'essaie de me trouver des images ref aussi Ok. qui puissent m'aider à ce que je puisse retoucher. Et puis si vraiment mon dessin de base il n'était pas foufou ou j'arrivais pas à avoir le rendu que je voulais, bon bah, j'essaye de retourner voir, ok, là est-ce que par rapport au dessin que j'ai eu, qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qui est plus proche du dessin. Pareil pour les costumes, essayer de voir les Ouais. positions que je peux avoir. Mais tu vois, là par exemple, un exemple tout bête, mais il a un marteau à la main, il a une position, c'est pas ce que je veux. Bon bah, je vais prendre, ou en tout cas, je vais m'aider comme modèle d'avoir ce que je veux, et puis je vais refaire une main à ma sauce, comme je veux, sans le marteau, etc. etc. Tu vois, il y a un Ouais, peu. du coup, tu fais ta sauce. Ça t'arrive de décalquer directement sur leur visage et tout pour être fidèle, tu vois? Ça m'arrive de le faire quand vraiment mon dessin de base, soit j'ai pas eu le temps, soit il est pas aussi qualitatif que ce que je voudrais et pas aussi ressemblant. Ça peut m'arriver, mais je pars toujours du dessin. Dans tous les cas, je commence jamais à tracer directement sur le truc. Ok. Je te dis, moi, ça m'aide encore une fois. J'ai remarqué en plus qu'en dessinant, même pour trouver un concept ou quoi, et bah, comme c'est un peu plus grossier, les formes le sont aussi. Et du coup, bah, les idées sont peut-être un peu plus précises. Je vais prendre un exemple un peu bête, mais En fait, ça simplifie déjà l'idée, quoi. bah, c'est ça. Et en plus, bah, par exemple, moi qui aime bien faire des contreformes ou ce genre de choses, tu vois, si, là, sur ces formes-là qui sont un peu plus grossières,
Je vais pouvoir chercher, par exemple, des contreformes, déjà dans des formes très simples comme ça, tu vois, je dis n'importe quoi, mais là, je pourrais quasiment, si je veux, là, par rapport à son arête, je pourrais quasiment faire le visage de quelqu'un si je fais une affiche très Ok, minime. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourrais quasiment déjà zoomer et réussir à faire quelque chose de très conceptuel, c'est-à-dire avec un personnage proche de l'autre, etc. Après, si je le recadre de telle ou telle manière, moi, je peux essayer de jouer avec après mes couleurs, etc. Mais d'avoir des formes beaucoup plus simplifiées permet justement, pour moi, en fait, selon moi, de trouver un peu des jeux, du coup, qui sont beaucoup plus intéressants. Après, à moi de pouvoir tout bouger, tout faire. Pas forcément des choses qu'on aurait directement si on faisait du tracé direct sur les personnages. Oui, carrément. Écoute, c'est hyper intéressant. Mais tu vois, après, je me retrouve avec ce genre de personnage-là, qui ensuite je vais intégrer à l'ensemble de l'affiche, quand il se retrouve là. Et pareil, avec toujours des gammes de couleurs très réduites. Moi, j'aime ça aussi. J'aime bien avoir des couleurs assez réduites. Ce que je disais pareil la dernière fois, c'est que les couleurs, ça a un vrai impact en fait sur la manière dont on va voir le truc, sur la manière dont ce qu'on va ressentir quand on va regarder. Et d'avoir beaucoup de couleurs, même si c'est proche ou tout ça, moi j'avoue que ça me parle moins. Je suis moins là-dedans, alors qu'il y en a, c'est vraiment superbe hein, ce qu'ils font avec beaucoup de couleurs et tout ça. Je renie pas du tout ça, mais pour moi, moi qui suis dans le minimalisme, je préfère choisir une couleur et ses différentes teintes. Mais justement pour exprimer quelque chose et là aussi avoir un vrai message, que ça raconte quelque chose. Et tu le vois bien dans mon Behance aussi, on est quand même sur des trucs assez monochromatiques de manière générale. Sauf là par exemple sur celui-ci où il fallait avoir quelque chose là aussi de beaucoup plus. On voit un peu plus quoi, vraiment beaucoup plus Carrément, parlant. ouais. Bah, ce qu'il y a en fait, c'est que quand t'as moins de choses, ce que t'as, c'est vachement plus puissant aussi. Ah, c'est là aussi le truc où il faut bien choisir son élément pour vraiment être sûr que ça raconte la bonne histoire et que ce soit vraiment hyper carré, ça parle bien, que ce soit la bonne couleur bien associée. Parfois, c'est hyper logique, tu vois. Je prends des personnages, n'importe quoi, mais comme Superman, bon, bah, les couleurs, de toute façon, elles sont déjà données, tu vois. Donc là, il n'y a pas à se poser trop de Bah, elles questions. sont données, mais en même temps, il faut quand même trouver la bonne nuance qui fait que c'est un truc actuel et Ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai que ouais. pareil, j'ai une palette de couleurs maintenant où bon, je me sers directement parce que bah, j'ai envie que quand on voit l'œuvre ou l'affiche en soi ou même peu importe le support, on sache que ça vient de moi. Donc j'ai besoin d'avoir ce côté reconnaissable. Maintenant, c'est vrai que j'ai ma gamme de couleurs et quand je considère que le rouge a son importance et que ça doit être la couleur utilisée, j'ai pas à me dire, bon, alors j'utilise quel rouge, quel pourcentage de rouge. Hop, je vais sur ma petite. J'ai ma palette de couleurs là, avec Ouais. déjà les couleurs associées, et puis je vais dessus. Et puis c'est un gain de temps incroyable. Maintenant, au fur et à mesure des années, maintenant, c'est vrai que je gagne énormément de temps à avoir mes couleurs déjà prédéfinies, quoi. Alors qu'avant, il fallait que. Mais du temps, hein, Tu je te dis. sens enfermé parfois dans tes couleurs ou au contraire, ça te libère? Bah, pas du tout, parce que justement, c'est des palettes comme je disais, je vais adapter forcément par rapport aux médias ou à ce que ça raconte, si c'est quelque chose d'un peu dark ou c'est quelque chose de beaucoup plus enfantin. Et du coup, tu vois, par exemple, ce que j'ai dit la dernière fois, celles qui sont au milieu, c'est vraiment les palettes que j'utilise de manière générale. Donc vraiment comme ça, j'ai vraiment une grande gamme, mais qui reste assez dans le même style. J'ai une gamme qui est en haut, là, à gauche, en haut à droite, pardon, là, qui est beaucoup plus pop pour des choses un peu plus dessin animé, un petit peu comme Suicide Squad tout à l'heure, quand je fais les Toy Story et les Disney, c'est plus ces couleurs-là que j'utilise. Et celle en bas à droite ici, quand je fais des choses beaucoup plus, on va dire, un peu rétro. Comme j'avais travaillé pour le dernier film de Tarantino, je ne sais plus où il est loin, parce que comme tu as dit tout à l'heure, je produis. Ouais, là, voilà. Et tu vois, moi, je voulais avoir ce côté rétro un peu 60s, 70s. Donc là, j'ai ma gamme d'orange et tout ça qui revient un peu graduellement. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve là aussi là, dans ces couleurs. J'ai des couleurs en fait qui s'adaptent. Donc comme je les change, je m'en lasse pas. Et encore une fois, pour avoir, comme on disait tout à l'heure, quand tu es à ton compte et avoir ce côté reconnaissance, bah, c'est bien d'avoir être un peu réduit quand même quelque part, quoi, pour pas non plus Ouais, s'éparpiller. d'avoir une signature, C'est qui ça. fait que les gens viennent te voir pour ça aussi, quoi. Ah, c'est vrai que honnêtement, c'est mon but que quand on vient de me voir, on me dise pas, tiens, j'aimerais ça dans tel style, mais qu'on me dise, bah, j'aime bien aimer ce que tu as fait, ou ça me parle.
Et est-ce que tu pourrais, pour mon support à moi, pour mon projet, me faire quelque chose? Ça, c'est vrai que c'est hyper gratifiant quand on est à son compte et tout ça, de que les gens viennent pour ce que vous faites et pas plutôt pas juste pour le job que vous faites en fait. Carrément, ouais. Je vois dans tes palettes que tu as pas mal de dégradés. Comment tu t'en sers dans tes dégradés? Alors je vais vous montrer. C'est vrai que des fois ils sont déjà faits, tu vois, comme ça moi je suis Ouais. gain de temps aussi. Mais Ah, du coup, alors attends, en fait, c'est pas vraiment une palette dégradée, c'est que c'est un dégradé entre deux couleurs qui étaient c'est déjà dans ça, la palette. exactement. Ah, Exactement. ok, ça ajoute. C'est pas une nouvelle nuance à part. Non, non, Ok, c'est je vraiment comprends. deux. En fait, c'est pour ça, en couleur, on va dire, pleine, à chaque fois, je ne suis pas Ouais, au-delà ok. de trois, tu vois. Peut-être quatre, sans compter. D'accord, ok. En fait, la palette, elle est vachement plus simple que ce Ouais, qu'elle en a l'air. elle est très réduite, tu vois, là, par exemple, même pour les verts, j'ai juste deux verts. Ok, en fait, les dégradés, c'est plutôt des possibilités. C'est ça, exactement. Ok. Exactement. Et j'ai des fois une couleur complémentaire, mais voilà, ça s'arrête là. Mais sinon, j'ai un noir. D'accord. Là, maintenant, j'utilise moins du blanc, j'utilise un crème, que je trouve que pareil, ça apporte un côté un peu plus. Alors, c'est peut-être un petit peu moins moderne, pardon, entre guillemets, ça dépend pareil du support, mais j'aime bien avoir ce côté. Je pense, selon moi, que ça fera quelque chose de beaucoup plus intemporel, d'avoir ce côté un petit peu, tu vois, comme là, côté un peu crème, tu vois, c'est pas du blanc, c'est un truc un petit peu plus. D'accord. Et je trouve que c'est un peu plus, ouais, un peu plus intemporel et un peu plus épique, en tout cas dans le sens où. Où moi je vois les affiches de jeux vidéo, de films, etc. Mais encore une fois, ça dépend de ce que Ouais, j'ai ça ajoute de la nuance et de la richesse en fait. Au lieu envie. que ça Ouais. soit juste un truc blanc comme d'hab. C'est ça. Après, je te dis, ça dépend vraiment du support et tout ça, mais j'aime bien ce côté, ouais, un petit peu. Ça fait plus travailler, ça fait encore plus fini, moi, selon moi, je trouve. Mais Ouais, c'est ça, ouais. je te dis, ça dépend, tu vois, pour des dessins animés, par exemple, qui eux utilisent beaucoup de blanc, je vais conserver le blanc quand même. Parce que je trouve que là, c'est plus parlant. Oui, carrément. Non, c'est hyper cool, hein. Trop stylé. Alors attends, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le chat. Je vais regarder si on a des questions. Alors, il y a Alexandre qui nous dit qu'on peut se faire des couleurs, des dégradés, des thèmes, tout ça dans nos bibliothèques CC. Merci de nous le rappeler. Depuis la version de juin, vous avez l'action faire pivoter l'affichage. Alors ça, il faudra qu'on regarde. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et la prise en charge des Mac M1. Ah, yes. Non, et bah écoute, j'ai pas de questions. Alors moi j'en ai plein, mais j'ai pas vu de questions sur le chat. Bah, si t'en as plein, vas-y. Allez. Non, mais c'est hyper cool. En fait, ce qui me surprend en fait à chaque fois et ce qui est hyper cool de voir ton illustrateur, c'est le niveau de détail dans lequel tu travailles. Ouais, Tu mais vois, c'est si tu vrai que. zoomes sur tes petits persos, là, en fait, il se passe des choses à chaque fois, quoi. Bah, c'est vrai que c'est ça que, comme je disais tout à l'heure, parfois qui est un peu paradoxal, c'est que c'est assez minimaliste, non, ce que c'est, quelque part, mais c'est assez détaillé. Vraiment, Ouais. si tu vas voir, si tu vas chercher, ça reste assez détaillé. Ouais, parce que eux, ils sont Comme, tout petits, en fait. Tu vois, bah, sur le truc si on voit fini, ton ouais. travail sur Instagram et tout. Bah, c'est vrai qu'après, j'essaie d'avoir souvent, bah, tu vois, sur le Behance aussi, d'avoir des close-up pour dire je me suis un peu fait chier à travailler quand même les petits détails. Faire des posters en 4, on peut faire des 4 par 3 géants, mais ça va être cool. Bah ça c'est bien parce que c'est vrai que c'est ce qu'on me demande aussi des fois, c'est qu'avec Illustrator on peut faire des trucs immenses et ça c'est top. Mais pareil, tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'est que la lumière est hyper importante même sur de la plat. Tu vois, là sur les personnages qu'on a ici, de comprendre que si le soleil est derrière, que j'ai toute la lumière qui va se refléter sur la partie gauche du personnage, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi que je réfléchisse en amont. Et c'est pas une fois que j'ai mis le soleil là, je me dis ah merde, parce que si je veux avoir quelque chose d'un minimum réaliste, quelque part, même si c'est à plat et que c'est de l'illustrator, que ce soit assez parlant. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu morphologique de comprendre comment est construit l'humain, les lumières, où est-ce qu'elles vont se poser, etc., qui reste quand même, paradoxalement, assez important, même sur des choses assez plates, quelque part, ou du flat design, tu vois, d'avoir vraiment le blanc qui atterrit sur l'arrière-gauche des cheveux ici et inversement là. Et après, ça. À soi de s'adapter, mais tu vois, la construction du personnage, par exemple ici, elle est la même. Si je le mets en blanc, c'est le même travail d'estampe un petit peu que ce que j'avais fait tout à l'heure. C'est juste après en choix de couleur et en compréhension de la lumière où je vais me dire, bon, bah, ce côté-là, il va être
de la couleur foncée. Et si la lumière était venue à droite, par exemple, bon, bah, je pense que j'aurais dû faire quelque chose comme ça, ou même je pense que j'aurais, tu vois, j'aurais essayé de faire un dégradé de manière à ce que, dans l'autre sens du coup, de manière à ce qu'on comprenne que Carrément. la Bah lumière tiens, vienne vraiment d'à laisse-le comme côté. ça et dézoome et qu'on regarde l'affiche et qu'on voit que en fait ça n'a aucun sens comme ça. Enfin, tout de suite, il y a un truc qui choque, tu vois. Bah, c'est beaucoup moins parlant, ouais. Enfin, moi, en tout C'est cas, ça, ouais. je trouve que ça perd un peu de son. Et puis, le dégradé est aussi, c'est pour moi un outil super, mais qui peut vite être très confondant pour l'œil et qui peut vraiment vite être pas forcément très agréable. Ok. C'est pour ça que la maîtrise du dégradé, pareil, ça vient avec les années parce que parfois, c'est ça fait mal aux yeux. Enfin, il y a plein de choses qui font mal aux yeux. Et moi, j'essaie de l'utiliser vraiment par parcimonie, vraiment ne pas en mettre trop. Et que quand j'en mets, que ça soit vraiment bien placé, que ce soit intéressant et que ça apporte quelque chose. Ouais, carrément, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la lumière. Donc, ouais, il faut que ce soit cohérent et tout, même sur une affiche minimaliste. Et c'est vrai que moi, quand je regarde les affiches en ce moment là, mais même les grands films, enfin, même les grosses productions et tout, elles sont pétées parce que la lumière n'a aucun sens. Généralement, c'est le premier truc qui me choque, tu vois. Mais justement, parce que eux, ils prennent souvent des photos en studio avant des acteurs et tout ça, peu importe. Ouais, et après, ils les collent ensemble et C'est ça n'a pas de ça. Et sens, ouais. du coup, forcément, c'est pas comme sur un tournage où là, la lumière, de manière générale, est assez cohérente, même s'ils ont des VFX et tout. Mais eux, ils ont normalement une lumière assez neutre sur les photos qu'ils prennent. Et ensuite, ils rajoutent des flares et des trucs. Il y a des mecs qui font ça très bien, par contre, sur. Alors, j'ai plus les noms, mais sur Photoshop, où justement, eux font des affiches très cinéma, très Photoshop et tout ça. Et ils montrent justement comment ajouter des lumières un peu orange sur un côté quand il y a un style un peu Star Wars et tout ça, ajouter une lumière bleue. Et tu vois, parfois, je trouve que ça marche bien, mais il faut vraiment que ce soit vraiment travaillé et que le style soit vraiment poussé à l'extrême, je trouve, pour que ça ait ce côté très photoshopé, mais dans le style, ça marche super bien. Ouais, carrément, ouais. Généralement, c'est pas le côté photoshopé qui me chafouine, c'est le côté, bah, il y a cinq persos, mais il n'y en a aucun qui a la lumière qui tombe au même endroit. Et tu vois, t'es là, genre... Mais, et du coup, tu vois, t'as pas envie d'y croire. Tu sais pas pourquoi, quand tu regardes l'affiche, mais il y a un... Tu vois, ça fait genre... C'est bizarre. Mais justement parce que c'est pas réfléchi en amont, tu vois, c'est ça le Ouais. truc. Justement parce que bon bah on a 14 images de mecs à caser et maintenant c'est à nous de faire en sorte que les lumières Alors lui, correspondent. il est plus payé que les autres. Faut le Ah bah mettre en mais gros. clairement c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et après, moi quand je suis honnête, quand j'ai des vrais projets, on me demande lui de le mettre en plus gros ou lui de le mettre en plus petit. Et ça fait partie du jeu, c'est normal. Mais j'essaie justement de. Ça se voit moins, tu vois ce que je veux dire, que ce soit un peu plus naturel et que ce soit beaucoup plus fort quand on va le mettre en avant, plutôt que juste de dire bon, lui, il a le plus gros chèque, il est devant. Mais c'est toute la subtilité aussi de faire une affiche ou un visuel qui est intéressant, moi, je trouve. Carrément. C'est hyper cool en fait de voir ce qui est important pour toi dans un visuel et de voir bah, que en fait les détails et les visages et tout c'est important, la lumière c'est important, mais les couleurs ça peut être très simple. Hein. C'est là où Ouais, on se concentre quoi. bah, c'est vrai que ça va tout de suite. Bah, plutôt que d'avoir. Enfin, c'est vrai que quand on va voir un panneau rouge, on sait qu'il va falloir s'arrêter. On voit un panneau bleu, on sait qu'il faut avancer. C'est aussi bête que ça, quelque part. On se dit, c'est rouge, ok, je suis dans un film d'horreur ou je suis dans un film assez sombre. Il y a un truc bleu et rouge. Bon, ça va être quelque chose d'un peu plus. Un peu ce côté héroïque, tu vois, quelque part, c'est un peu bête, mais un peu patriotique, machin, etc. Quelque chose d'orange qui est un peu plus chaud, un peu plus pop, quelque chose de. Enfin, tu vois, tout de suite, ça évoque quelque chose sans visuel, sans avoir rien montré. Déjà en tête, on voit la couleur, on ressent quelque chose. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je me sers en tout cas pour vraiment apporter une autre lecture à l'affiche, plutôt que d'avoir quelque chose de déjà donné. Et je te dis, c'est détaillé sans l'être trop au final, parce que moi, je me dis toujours, si je peux en mettre le moins possible, j'en mets le moins possible. Je me dis, je me restreins, il faut vraiment que j'en mette le moins possible. Et si vraiment c'est sur quelque chose où on me demande que ce soit quand même assez détaillé ou qu'il y ait beaucoup de choses, bah même dans ma tête, je vais me dire, bon, je vais faire mettre beaucoup de choses, mais bon, ça, je ne vais pas le mettre parce que ça porte rien, ça raconte rien, et ça non plus. Donc c'est un bon challenge, c'est un bon exercice de faire ça quand, en tout cas, le style est minimaliste, alors qu'il y en a qui adorent en mettre partout, et quand c'est super bien fait et bien organisé, c'est magnifique. Non, écoute, carrément. Il y a Clémentine qui nous dit, je suppose que Julien fait les éléments à part en tradi pour mieux composer derrière. Il dit, finalement, la démo a répondu à la question. Ça. Mais oui, par exemple, là, sur ta compo, tu vas déjà savoir avant ce que tu vas faire ou tu as quand même une flexibilité
Honnêtement, Quand j'essaie tu mets d'être dans l'illustrateur. le plus carré avant de commencer. C'est vraiment de me dire, je sais, pareil, parce que je disais tout à l'heure, j'essaie quand même d'avoir des images références ou quand j'en ai pas, comme je disais, ça fait partie de ce que je regarde d'habitude ou quoi, donc j'ai déjà des photos en référence ou j'ai déjà des images parce que j'ai déjà vu les bandes annonces, parce que je connais le film, etc. Je me dis, ok, je sais que cette position-là du gars, elle ira bien ici et ça se parlera bien. Et après, je réévalue un petit peu les choses et tout ça. Mais là, honnêtement, sur une composition comme ça, il n'y a quasiment rien qui a changé par rapport à l'idée que j'avais fait sur papier. Tu vois, Ok. y a peut-être, je sais n'importe quoi, mais peut-être que ces personnages-là, ils étaient plus gros, n'importe quoi. Mais après, c'est à moi Ouais, aussi de ok. trouver un équilibre dans la composition. Et tu vois, là, on a un peu ce genre de composition qu'on dit en triangle. Je vais le faire là. Ça fait très billet de banque. Oh, ça fait très billet Ouais, de un petit banque. peu à l'américaine, C'est ouais. le, ouais, c'est le format avec le rond au milieu, ouais. Vraiment. Mais tu vois, on a ce côté assez position triangle où tu as vraiment les personnages, le plus gros au milieu, les deux un peu plus petits, et ensuite ici, on descend et on va avoir ce genre. Tu vois, pareil avec lui. On voit ici que le personnage féminin, ici, il ira un petit peu en dessous, et la scène tout à gauche, elle sera aussi un petit peu en dessous. C'est hyper important d'avoir des sens de lecture aussi. Ça, c'est hyper important. Enfin, moi. Quand je donnais certains cours, c'est ce que je disais aussi, c'est que selon où vous allez placer votre élément, pareil, il va passer à l'as ou on va finir par ça et ça va être le truc le plus important. Tu vois. Comme vous disiez tout à l'heure, mettre l'acteur en gros au milieu, bon bah forcément on va le voir, mais un petit truc en bas à droite, et bah, là notre œil va finir ici. On appelle ça la lecture en Z, souvent notre regard finit en bas à droite. Donc le petit élément qu'on va mettre ici, et bah, il va avoir son importance et il va raconter aussi quelque chose. Et je te dis, moi je pense que c'est ce que j'essaye de faire dans des affiches que j'ai parfois. Voilà, par exemple, une composition comme ça, celle-ci, celle-là. J'aurais pu faire l'inverse, tu vois, j'aurais pu flipper et mettre les héros à gauche et lui à droite, par exemple. Ok. J'aurais pu simplement faire l'inverse, sauf que les héros, ce sont eux, donc j'ai envie de les mettre à droite parce que notre gars, il va commencer en haut, il va aller ici, il va descendre, donc on va arriver, en passant par ces personnages-là, on va arriver sur le méchant et on va finir sur les héros, tu vois. Sur l'équipe qui est ici. À l'inverse, si je l'avais flippé, eh ben, je serais d'abord arrivé sur les héros ici, pardon, et ensuite je serais arrivé sur le méchant. Mais mon but, c'est pas de mettre le méchant forcément ici en évidence ou en premier, c'est de mettre les héros. Donc tout ça aussi, ça a son importance dans la composition. Et à mon avis, c'est là parfois le sel un peu de faire des affiches, c'est que la composition, elle est hyper importante parce que. T'auras beau avoir des super beaux visuels ou avoir des personnages bien faits, bien même peu importe quel support, s'ils sont placés n'importe comment, bon, bah, on ne comprend rien et c'est pas forcément évident. Tu peux avoir plein de compositions plus ou moins faciles, mais tu vois, sur des compositions comme ça aussi, horizontales un petit peu, voilà, par exemple, je sais que mon regard, pareil, il fait en Z, bon, bah, j'ai envie de finir par le titre, parce que c'est quand même important de savoir de quoi on parle, et le titre, je ne vais pas le mettre. Si je le mets en haut à gauche, bah, ok, on va le voir, c'est la première chose qu'on va voir, donc c'est intéressant. Par contre, si je le mets en haut à droite, on va le zapper parce que notre gars, il va aller direct ici, après en bas. En fait, c'est ça qui est. Enfin, je trouve ça un peu magique avec tes affiches. Et plus je les regarde et plus je vois de trucs. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression que mon regard il tourne dans l'affiche. Ouais. Tu vois, genre, tu regardes un perso, tu tournes après dans ton sens de lecture, mais en fait, après, tu continues parce qu'il y a des trucs que t'as pas vu la première fois. C'est ça, et c'est pour ça que je te dis, la composition, elle est hyper importante avant. Et comme tu disais, à l'inverse de ce que je pense, pas mal de studios font, c'est que bon, ils regardent ce qu'ils ont comme image référence, ils disent bon, bah maintenant on va composer avec ça, on va faire un truc. Alors que, évidemment, que moi aussi, c'est un peu ce que je fais quelque part, mais quand je le fais en amont, je me dis qu'est-ce que je veux voir en premier, qu'est-ce que je veux voir en dernier, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, est-ce que le titre, forcément, je veux qu'il soit mis en avant, c'est quand même important là. Même si je fais des choses un petit peu hommage et parfois pas en mode professionnel, mais même quand c'est le cas. Quand on me demande une affiche pour tel film ou quand on me demande une affiche pour un petit studio, etc., moi je sais que le titre, va falloir qu'on le voit. C'est normal, faut faire vendre le film, etc. Donc il doit être bien placé au bon endroit. Je ne peux pas me permettre de le mettre bon, peut-être ici, peut-être là. Alors après, il y a des compositions classiques, tu vois, comme. Enfin, classique. Des compositions où tu as le titre en bas au milieu et puis voilà. Ça, c'est une composition qui marche et qui fait le taf. Mais moi, encore une fois, j'aime avoir ce côté. La contre-forme, on a les ombres des deux personnages qui reflètent sur le bouclier,
Parce que le bouclier, c'est ce que les personnages vont vouloir acquérir. Donc, lequel va l'avoir, on ne sait pas. Enfin, tu vois, le but, c'est que ça raconte une histoire en plus de la composition. Donc, la composition raconte une histoire. Donc, tout Ouais, ça. carrément, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, quoi. Tu regardes la fiche, tu fais ah, c'est cool, et après tu fais mais attends, il se passe d'autres trucs en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et je te dis, ce qui fait que la fiche ou le support va parler, c'est la couleur, la composition, le concept que tu vas mettre dedans avec tel ou tel personnage, ou telle contre-forme, ou tel truc. Et l'ensemble, le global, quoi. Et c'est vrai qu'en plus c'est minimaliste, plus tu as intérêt à ce que la composition soit bonne. Ouais, carrément. Donc la composition, la lumière, ça a du sens, Ouais. les couleurs, en fait chaque élément est précis et a du sens, quoi. Chaque Ouais. truc qui est là, c'est pas gratuit. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. C'est pour me dire jamais où je me vois un truc, je dis pourquoi j'ai mis ça. Est-ce que c'est juste pour faire joli ou c'est vraiment que ça a un intérêt? Et même évidemment, si je veux que ce soit beau, la finalité, c'est qu'on fasse un rendu qui soit joli. Mais faire juste du beau, je t'avoue que moi, ça ne me parle pas. Et c'est pas ce que j'aspire à donner ou à faire donner aux gens. Eh ben écoute, trop cool. J'ai des questions qui arrivent. Oh là, mais ça passe super vite. Attends, il est déjà, on arrive déjà presque à la fin. On a Sylvain qui demande de quoi tu t'inspires pour créer de la diversité sur chaque nouveau projet. De manière par rapport au concept, tu penses, ou par rapport à ce que. Ouais, comment tu gardes la flamme des nouvelles idées arrivées Bah déjà, prendre une semaine de vacances par an, déjà, c'est pas mal, pour revenir un peu plus en forme. Et. Une semaine, on est vraiment en mode japonais là. Ouais, non, j'en ai pris deux, Bon, excuse-moi. Mais. t'en as pris deux, mais t'as fait quatre affiches pendant tes vacances. Non, une. Ne dis pas que je travaille pendant les vacances, sinon je vais me faire engueuler. Mais non, ce que je te dis, c'est vraiment c'est autant mon métier que ma passion. Et évidemment que je n'ai pas toujours des projets sur des grosses productions, mais justement, ça m'apporte plein de trucs de travailler sur des petits projets, entre guillemets. Là, j'ai fait un livre qui s'appelle La Cité des Argonautes, qui est une saga sur une équipe d'ados, un petit peu comme le Club des Cinq, tu sais. Qui se passe dans une banlieue et tout ça, donc un truc assez urbain, mais assez moderne aussi quelque part, avec vraiment en parlant de toutes les religions, de toutes les personnes, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai dû adapter mon style parce que c'est pour les enfants, donc faire des choses beaucoup plus simplifiées. Mais toujours, justement, là, je suis obligé de me réinventer aussi un peu quelque part. Je garde ma patte, je garde mes lignes directrices pour concevoir et pour créer. Mais ça va m'aider justement à avoir un regard un petit peu différent sur autre chose. Et encore une fois, ma manière de voir les choses, elle est simple. À chaque fois, c'est j'ai un élément principal, le héros, c'est ça, le thème, c'est ça. Comment je peux combiner tout ça? Comment je peux faire en sorte qu'avec deux éléments, on ait l'impression que ça fasse qu'un seul? Comment avec cinq, six éléments, du coup, qui soient beaucoup plus compliqués, comment je peux les intégrer de manière logique? Et je te dis, tu vois, là, par exemple, pour le Suicide Squad, c'était une équipe où ils étaient je ne sais pas combien. Et moi, tu vois, déjà, où quand je sais qu'il y a beaucoup de gens, déjà, je suis là, oula, déjà, il va falloir intégrer tout le monde, ça va être compliqué. Comment je peux Ouais. faire en sorte qu'ils soient mis en valeur? Donc, du coup, par rapport à la composition, je sais qu'il va falloir que je les mette en bas, parce que c'est les dernières choses que je veux que les gens voient, évidemment. Mais comment je peux Carrément. détourner un peu le truc? Bon, bah, il y a une espèce d'étoile de mer chelou dans le film, géante, qui est le méchant. Bon, bah, je sais que j'ai une forme simple, qui est un triangle ici en bas pour de concevoir l'étoile, ben je les compose de manière triangulaire, un petit peu comme la bannière que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, avec une composition comme ça. Ouais. Et voilà, et on a une contre-forme, on a le méchant qui est présent, on a tous les héros qui sont en bas et on finit par ça, on a un Ouais, et petit. puis ils sont tous de la même couleur et du coup tout de suite tu leur donnes une unité en fait. C'est ça, tout de suite Oui. tu les marres. Et puis, tu vois, il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, le côté détail. Bah forcément, comme c'est minimaliste, que tu vas détailler encore plus, va forcément plus ressortir. Tu vois, l'étoile de mer, elle est assez simplifiée, alors que les personnages sont beaucoup plus détaillés. Donc forcément, ton œil, malgré que l'étoile soit très grande, elle va regarder, on va regarder les personnages qui sont en bas, parce qu'ils sont en bas et en plus, ils sont détaillés. Donc, OK. il y a cette côté hiérarchisation du détail pour justement mettre en avant quelque chose, ou ne pas le mettre en avant, ou que ce soit quelque chose qui vienne après, etc., etc. Tu vois, là, par exemple, sur le Dune, j'ai pas détaillé trop les personnages en haut parce que je sais que c'est la première chose qu'on va voir, mais j'ai fait en sorte que de détailler un petit peu plus le vert parce que je sais que c'est peut-être de un un peu plus compliqué à voir et de deux ça va forcément attirer l'œil quelque chose qui est plus détaillé que quelque chose qui ne l'est pas en haut. Donc tu vois, Ouais, ok. il y a ce côté un petit peu fait dosage.
Tu vois, c'est genre, je mets un peu de sel, là, j'en ai trop mis, je vais en mettre un petit peu de truc, etc. Doser un petit peu en termes de détails, en termes de forme aussi, pour justement que la personne qui va regarder la fiche, comme tu disais, ça lui paraît simple à regarder, quelque part. Mais que quand elle s'attarde, elle se dise, OK, bon, c'est vrai qu'il y a ça. Et du coup, ça doit paraître simple sans l'être vraiment un petit peu quelque part. Tu vois. Et c'est ça le côté grand public, accessible et tout ça. C'est que quelqu'un qui n'y connaît rien peut trouver ça joli. Et quelqu'un qui s'y connaît va avoir plaisir, j'espère, à fouiller, à regarder ce qu'il y a et à se dire, ah ouais, c'est vrai que ça c'est cool, c'est marrant, il y a ça. Et voilà, que ce soit vraiment, je te dis, accessible et que ça plaise et que ça me plaise d'abord, parce que c'est quand même les choses pour soi avant de les faire pour les autres, ce que je dis toujours. Mais c'est encore plus gratifiant et plus intéressant si les gens aiment et que ça leur apporte un petit smile ou un petit. Ouais, carrément. Du coup, il y a même du coup, il y a deux niveaux de lecture. C'est hyper intéressant ce que tu dis aussi, que ça plaise à tout le monde, mais aussi aux professionnels qui vont remarquer en fait le niveau de détail, la composition, C'est l'amour. ça. Mais c'est C'est clair. ça, ouais. Moi, mon but ultime, c'est clairement ça. Que ça arrive au bon Dieu et qu'on y voit et de un, le potentiel, et de deux, l'honnêteté que je mets dans ce que je fais. Que ce soit vraiment, je ne le fais pas juste par envie Pour les de likes et les followers, Voilà, exactement. pour le InstaFame. Pour l'Instafilm, je le fais vraiment parce que j'ai très envie de travailler pour Marvel, j'ai très envie de travailler pour Disney, j'ai très envie. Enfin, Disney, j'ai déjà travaillé un petit peu pour eux, mais. Et encore plus d'être vraiment encore plus dans cet élan de pop culture et de film. Et j'espère que ça va arriver encore plus que c'est déjà le cas, comme je dis, parce que j'ai la chance de. Là, je travaille pour EA, j'ai travaillé pour Warner Bros, j'ai eu des super clients et j'en suis très heureux, mais j'en veux toujours plus. On en veut plus. On en veut toujours plus. Bah et vous, carrément, c'est trop cool. Il y a une question de Loïc qui demande combien de temps de travail pour une affiche? Et bah, toujours la même réponse. Très, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment. Je te dis, bref, ça dépend des retours clients aussi. Par exemple, honnêtement, des fois, je peux avoir des retours où soit ça va très vite et la personne est très contente tout de suite, soit bah, forcément, il y a des choses à changer parce que c'est une collaboration, les deux. Et même si c'est moi qui fait le travail, entre guillemets, c'est censé le représenter lui, le client. Donc forcément, franchement, ça dépend. Tu vois, par exemple, pour des affiches qui ont l'air, je pense, comme ça, assez similaires, la première, celle-ci, avec une composition avec quand même pas mal de personnages, avec des couleurs quand même, etc. Et celle-ci, avec, pareil, une composition, là aussi en triangle, avec pas mal de personnages, quelques couleurs et tout ça. Celle-ci, en même temps, je partais de rien, j'avais zéro ref, j'ai dû mettre, un mois à peu près. Et Ah plus. ouais. Parce Attends, que. un mois full time. Non, non, pas full time, mais global, avec les travaux que j'avais à côté, ça a dû prendre un mois de Ok. faire Ouais, ça. c'est du Parce gros boulot, hein. que là, vraiment, il y avait de un, les recherches, qui on n'en parle pas parfois, mais ça fait partie du taf de faire pas mal de recherches avant et de regarder ce qui existe, ce qui n'existe pas, etc. Là, sachant encore une fois que j'avais rien comme référence à part le comics de base, trouver la composition à partir de rien, là, c'est encore plus compliqué. Et de réussir vraiment à faire avancer le projet en même temps que la personne avec qui, enfin, pour qui je l'ai faite. Que ça avance petit à petit, trouver. Il y a quand même, là, on est quand même sur des personnages assez un petit peu détaillés quand même, en termes de lumière et tout ça. Donc voilà, mais tu vois, l'autre est assez détaillé. Mais là, j'avais des images références parce que le truc est sorti, j'avais déjà un univers et tout ça. Celle-ci, honnêtement, j'ai fait le dessin pendant mes vacances allez, une grosse demi-heure et je suis revenu de mes vacances, j'ai dû passer 3 heures dessus, puis c'était fini. Donc des fois ça Ah peut aller ouais, très, ok. des fois ça va vite. Hein. Donc Ouais, il n'y a pas de franchement, vérité. Du coup, ne non. facturez pas à l'heure. Non. Le petit rappel. Du coup, on ne facture pas à l'heure. C'est toi, tu factures plutôt au projet. Ouais, mais même avant que, parce que maintenant j'ai cette facilité, entre guillemets, à aller plus vite, c'est normal, je m'habitue et je sais Ouais, où je vais. carrément, mais du coup, qu'il y a énormément de valeur. Mais déjà de base, je facturais pas à l'heure parce que. Considère que tu peux être très inspiré d'un coup et pas l'autre, et que c'est pas forcément la personne en face de payer pour ça, mais en même temps elle doit payer pour le travail que tu fais de recherche, etc. Donc les deux se rendant aussi là un petit peu la balle, je me dis que je préfère qu'on me paye pour un produit et pour une production finie et finale que pour un temps passé qui peut être très variable. Et si j'ai envie de bosser à 4 h du matin, 2 heures en plus ou par-ci par-là, je vais pas lui facturer parce qu'on va pas s'entendre, mais c'est dommage de passer à côté. Donc voilà. Ouais, bah écoute, carrément.
C'est Lyon qui nous dit, c'est toujours impressionnant de voir ce type de création sur Insta. Sûrement un des styles les plus jolis. C'est gentil. Okay. Bah, même sur l'Insta, c'est vrai que c'est une bonne vitrine aussi. Tu vois, j'ai fait un jeu de cartes il n'y a pas si longtemps où j'ai Ouais. dû concevoir des cartes sur un jeu sur le cinéma en fait, et qui fait des mash-ups de Ok. films. Et tu vois, par exemple, là, sur celui-ci, on a c'était Madame Doubtfire et Dark Vador où je devais mixer deux personnages. Ces deux personnages n'ont rien à voir ensemble. Et tu vois, pareil, c'est un nouveau support, mais ça reste un peu ce côté affiche et tout ça. Et là, il y avait la boîte de jeu aussi que j'ai dû concevoir. Donc, j'aime bien aussi toucher à plein de médias différents, le jeu de société, les livres, que ce soit la customisation de chaussures, que ce soit des affiches de films, même des supports ou des comics, etc. J'adore toucher un peu à tout, même si évidemment, comme ça se voit, j'adore l'affichage et tout ça, mais j'aime toucher à d'autres choses parce que je sais que ça va m'apporter, comme on disait tout à l'heure, et ça va m'aider justement à retravailler sur moi-même et à essayer d'avoir des concepts nouveaux à chaque fois. Carrément. Tu aurais des tips à nous filer pour nos petits spectateurs qui aimeraient apprendre à développer vraiment le regard et le sens de la composition? Pour la composition, moi j'ai vu en fait, je trouve qu'il n'y a pas, comment dire, en termes de tips et de savoir-faire, pour une composition, je dis, à part, il y a la composition en Z qui est hyper importante, c'est-à-dire de partir, on sait que notre regard il part en haut, à gauche de l'affiche, un exemple d'affiche ou de truc. Ouais, voilà. Genre dans nos sociétés occidentales, on lit comme un livre, C'est une ça, affiche. exactement. Donc ça, on commence en haut, ça descend et C'est ça, ça, voilà. exactement. Et la diagonale part comme ça. Et vraiment, donc, en fait, ce qu'il faut dire, c'est ce qui est en haut à droite et ce qui est en bas à gauche va quelque part passer un peu à la trappe. Va pas être la Ok. chose la plus importante qu'on va mettre à cet endroit-là. Ça va être important, évidemment, parce que ça, si c'est placé ici, c'est que c'est important. Mais même sur des affiches de pub, je dis n'importe quoi, souvent pour des voitures, des concessionnaires, le logo, il sera soit en haut à gauche, soit en bas à droite. Parce qu'on commence par ça ou on finit par ça. Ou les accroches sont ici et là. Ok. Donc ça, en termes de composition, je trouve que c'est super important. Et les compositions, comme je disais tout à l'heure, en triangle, permettent là aussi de pouvoir bien organiser ces différents visuels ou différents éléments, justement parce que ce sera centré et qu'il y aura ce côté hiérarchie qui aussi fait partie d'une composition où forcément, si on a plusieurs éléments, on sait que ça, on va le mettre en premier, ça en deuxième, etc., etc. Mais en termes de composition, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est soit on a une composition très symétrique aussi, qui marche bien, soit une composition en Z, et à partir de là, c'est un peu un équilibre où on se dit, même en prenant du recul, on se dit, est-ce que mon œil il bug un peu ou ça lui fait un truc un peu bizarre s'il y a un élément qui est un peu plus là ou là? Et c'est réussir à tâtons, et au fur et à mesure des années ou même des mois, à se Ouais, dire, d'affiner. ça je peux poser ici, ça s'équilibre. Puis comme vous êtes à l'heure, tout de suite, peut-être des fois, il y a un personnage qui va falloir que je grandisse un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, ou tu vois, là, sur celui-ci. Même si je l'avais fait sur mon dessin, c'était pas hyper évident, mais j'avais mis que ce personnage-là et celui-ci, donc qui équilibrent un petit peu le visuel. On est sur un visuel très très symétrique. On a le rond au milieu avec les personnages sur les côtés et l'autre personnage sur les autres côtés. Donc il fallait faire en sorte que cette masse ici à gauche soit équilibrée avec la masse à droite et le même cas ici et ici. Donc c'est vraiment un équilibre parfois très subtil, mais qui est très vite compréhensible et accessible quand vraiment on a Ouais, ce. il faut sentir les choses. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un côté aussi ressenti et je te dis, c'est vraiment, faut se dire que c'est une balance. Et si on met cinq personnages à gauche et deux à droite ou trois ou un truc immense et noir à gauche et rien à droite, bon bah notre œil il va sentir qu'il y a quelque chose qui. Ça va sentir. C'est Il y ça. a Et aussi un truc en plus de la composition, enfin, qui joue sur la compo, et je trouve que ça se voit bien sur ton affiche, c'est que le regard est attiré par la lumière. Et ouais. donc ça aussi, ça t'enferme. Donc il faut aussi penser à ça. C'est vrai, mais tu vois, c'est un très bon celui-là aussi, c'est un très bon exemple sur Dune. C'est qu'évidemment, les Le premier truc, personnages. ça fait pouf, ok. C'est Et ça. après, on bouge, ouais. Et c'est pour ça que la lumière, les blancs et les noirs sont hyper importants. Parce que évidemment que même si l'élément-là, il est tout en haut, et tout à l'heure, je disais qu'on finit toujours par l'élément qui est en bas. Donc là, le titre, pour le coup. Et bah, évidemment que le rond blanc, ça va nous attirer beaucoup plus. Donc forcément, même si on va atterrir en bas, il y a de grandes chances que notre œil il retourne en haut comme ça. Parce que c'est très gros et que c'est blanc et que c'est attirant. Mais tu vois, pareil pour des choses. J'ai pas d'autres exemples, mais même pour Pour ceux celle-là. qui savent pas trop,
Il y a deux trucs, c'est bah, moi je vous conseille de montrer votre taf quand vous n'êtes pas sûr. Il faut montrer à des gens qui vous fassent des retours, genre ah, mais attends, c'est bizarre ça, pourquoi c'est là? Et aussi, moi sur mes photos, je me fais des captures d'écran et après je les envoie sur mon téléphone et je les regarde en tout petit. Et en fait, Ouais. là, tout de suite, tu comprends en fait, genre ah, mais putain, j'avais pas vu qu'il y avait cette lumière là. Moi, c'est ce que je fais, c'est que j'ai mon écran, un grand écran, parce que je ne vois plus rien au bout de 8 ans. Et Ouais. j'ai mon petit ordinateur juste à côté. Comme ça, j'ai déjà deux tailles, si tu veux, et je balaye un petit peu comme ça mon regard entre le visuel fini sur un écran 13 pouces, donc pas très grand, et sur mon grand visuel. Et ensuite, avant de tout poster, de tout envoyer, je me les envoie en format un peu Insta, comme là, comme vous pouvez voir sur mon Insta, là. Attends. Oui, carrément, genre, allez boire un coup et regardez vos trucs en tout C'est ça, petit. Et là, faire une déjà, vraie ça. pause et même de manière générale, prendre du recul sur son travail. Et comme je disais tout à l'heure, même si je mets 3 heures dessus sur tel ou tel projet ou 15 heures, c'est parce que je me considère à un moment donné que faut que je souffle, je le mette de côté et que j'y retourne pour justement être toujours frais. En fait, ça, le but, c'est d'être toujours à fond sur un taf plutôt que de se dire, j'ai 8 heures à faire dessus, il faut que je sois 8 heures à fond dessus. Et c'est vrai pour tous les métiers, hein, de toute façon. Mais encore plus pour un métier créatif où des fois, on va faire son sport, on revient, on dit, oh, ça, c'était nul. Mais ça, c'était pas mal. Donc, je vais miser là-dessus. Oui, Mais carrément. c'est hyper important, en vrai, les pauses et tout ça, malgré Oui, qu'on. est-ce qu'au bout d'un moment, tu les vois plus, tes affiches? Je les vois plus, c'est-à-dire? Bah, tu sais, genre, tu comprends plus ce qui se passe à force de les avoir sous les yeux. Bah, honnêtement, je sais que maintenant, j'ai. Moi, déjà, de 1, je pense que je suis un peu hyperactif, donc je ne peux pas rester 2 heures assis sur une chaise. Donc, je me taille. Soit je vais au sport, soit je vais boire un coup. Mais je ne peux pas rester 2 heures la tête sur l'ordinateur comme ça. Donc j'ai cette chance en là ou manière d'être qui fait que de toute façon je serai jamais 2 heures comme ça sur mon truc à plus rien voir à la fin mais c'est vrai que je conseille vraiment de prendre du recul sans en abuser pour le coup sans jamais revenir bon bah je suis parti mais je suis jamais revenu finir mon truc donc Ouais. Ouais, mais c'est ouais un c'est vrai équilibre, hein. mais franchement je pense dans tous les métiers mais dans les métiers créatifs c'est vrai que c'est un dosage dans tout quoi. Oui, carrément. Eh ben, écoute, on est arrivé sur la fin déjà. C'était hyper cool. Bah, Merci. est-ce que tu aurais un mot de la fin, un truc que tu aurais voulu ajouter, dont on n'aurait Le pas eu mot le de la temps fin, et d'aborder? bah déjà merci de m'avoir réinvité. C'était top. Merci, merci beaucoup. Et puis bah, j'espère que ça aura plu. Que si vous avez des projets d'affiches ou de visuels, n'hésitez pas à me contacter sur mon Behance ou même sur mon mail qui doit être sur mon Instagram. Mec a mis tous ses réseaux comme ça, nickel. Et non, voilà, n'hésitez pas, même si vous connaissez des gens. Ont besoin d'affichistes, comme on dit, ou de gens qui sont dans l'illustration et dans le design, avec grand plaisir si je peux vous apporter mon regard, j'espère différent et un peu original, voilà, et que ça vous plaira. Bah écoute, carrément, il y a Camille qui nous dit, c'est Clémentine qui nous dit, c'est passé trop vite. Et bah voilà, trop cool. Je regarde si on a des petits messages. Camille qui nous dit, c'était super intéressant. Voilà, et bah écoute, c'était hyper chouette. Merci encore d'être venue nous partager Merci, merci à vous ta et à toi. passion et l'amour. C'est hyper cool. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais je trouve ça hyper communicatif en fait. Ça Bah, fait du tant bien. mieux, tant mieux, tant mieux. Si c'est si ça aussi visuellement, ça apporte un peu ce truc-là, je te dis, moi, c'est mon but, c'est que autant dans ce que je dis, parfois pas tout, mais dans ce que je montre, si ça peut donner un peu le smile et que c'est un peu good vibes, je suis super content. Travail est Non, fait. c'est ça. En fait, c'est un bon équilibre de ça donne envie de s'y mettre, ça fait pas peur, tu vois, on se dit pas genre oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, et en même temps avec des vrais tips pratiques, et je trouve que c'est le combo trop cool qui donne envie de faire des trucs. Thierry Avec le qui nous dit sourire, ça peut que merci, marcher. très instructif. Ah bah oui, la pêche c'est obligé de toute façon. Obligé pour y arriver, on est obligé. Oui, bah écoute, je te remercie. Bah nous, on a le programme de la semaine. Donc, est toujours en vacances, donc il n'y a pas encore les mardis et les jeudis, mais mercredi, on va revenir avec Atom, parce que c'était rigolo la semaine dernière. Donc, on s'est dit, hop, on va s'en refaire une. Si vous voulez qu'on aborde un truc en particulier, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire. On n'a pas encore de programme, donc voilà, Atom et effets spéciaux. Et vendredi, c'est les filles qui reviennent. Moi, je ne serai pas là, mais c'est illustration avec Aurore Bay et Laura Huillier, qui sont aussi des habituées. Donc voilà, et puis après, la semaine prochaine, on reprend la semaine 5 jours, comme d'habitude. On sera là tous les jours. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Le Discord de la chaîne, comme d'hab. N'hésitez pas à nous envoyer de l'amour si ça vous a plu. Et puis voilà, merci Julien, c'était chouette. Merci Pauline. Allez, bonne fin de journée tout le monde, passez une bonne semaine.